Yo les gens, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je devais faire une vidéo sur FIFA 14, ce que je voulais faire. Et finalement je ne l'ai pas faite parce qu'elle était vraiment trop mal faite. J'arrivais pas à cadrer. Donc en fait j'ai trouvé une technique pour cadrer. Enfin une technique. C'est la même technique que j'ai fait sur Sly Cooper. Voyager à travers le temps. Mais le problème c'est qu'en fait il faut qu'on voit. Vous avez vu sur PS Vita. Oui, je vais vous montrer. Attendez. Là, il y a écrit PS Vita. Et bah, c'est ça qu'il faut qu'on voie quand je fais une vidéo gaming. Comme ça veut dire que je filme à peu près le milieu de l'écran. C'est un repère assez simple pour moi. Parce que quand je joue à FIFA, je vois pas le ballon de l'objectif. Je le vois très mal, je joue, faut que je fasse gaffe de pas prendre un but quand je regarde la caméra, etc. Voilà, du coup, je me servirai un petit repère. Ce que je n'ai pas fait lors de la première vidéo. Mais j'ai vu que. Quand, parce que c'était mal cadré, mais pas tout le long. Des fois, tu sais, je me repositionnais, mais vite fait quoi. Et quand je me repositionnais, on voit le fameux mot PS Vita, et là c'est bien centré. On voit le plus intéressant, c'est-à-dire le milieu, ce qui se passe le plus de choses. On voit le but, etc. Est-ce que je peux pas filmer tout l'écran? C'est pas possible, c'est trop galère. Alors, peut-être qu'un de ces cas, j'aurai une capture d'écran vidéo, je ne sais pas, mais pour le moment, ça n'existe pas. Voilà, donc. Voilà, donc je devais faire une vidéo sur FIFA 14, mais elle est tellement nulle à chier que je l'ai arrêté. Je l'ai carrément arrêté, je l'ai même pas fini. Parce que je sentais bien que je cadrais rien du tout. Parce que quand je regardais de l'objectif, des fois je me dis, il est où le ballon? On voit pas le joueur qui a le ballon, c'est quoi ce délire? Et du coup j'ai arrêté. Je vous referai une vidéo FIFA 14 dans la semaine qui suit là, qui va venir. Donc voilà. Je vais acheter des jeux. À Micromania, parce que j'ai eu de l'argent, parce que du coup c'est mon anniversaire, donc j'ai pu voir quelques membres de ma famille qui m'ont donné mon cadeau, etc. J'ai pas encore vu tout le monde, tout, parce que ma famille, il y a des fois, par exemple ma marraine, elle habite assez loin de chez moi, donc voilà, donc on les voit pas forcément. Enfin, c'est pas qu'on les voit rarement, mais on les voit pas forcément tout le temps. Voilà, du coup, je pense que je les verrai à Noël, c'est souvent comme ça. Donc voilà, donc là, du coup, j'ai eu de l'argent parce que, voilà, on m'a donné de l'argent pour mon anniversaire. Et du coup, j'ai de l'argent. Je vous dirai pas combien j'ai parce que je pense que ça vous regarde pas. Ce genre de détails, j'ai pas envie de le partager. Parce que, voilà, c'est privé. Mais j'ai quand même eu pas mal d'argent, et donc du coup je vais peut-être pouvoir acheter Killzone, Borderlands, Call of. Ma priorité c'est Killzone, hein. Ça je pense que vous le savez. Et donc voilà. Donc je devais faire une vidéo sur FIFA 14, je vous la ferai plus tard. Et puis bah demain je vais Micromania et je vous ferai une vidéo sur le jeu que j'ai acheté. Je pense que même si je trouve pas Killzone, j'achèterai quelque chose de nouveau. Enfin, voilà. Le but c'est d'acheter le plus possible. Parce que quand on a de l'argent, faut bien le dépenser. Donc voilà. Donc bah, c'est une petite vidéo là pour le coup. Parce que je voulais juste vous prévenir que c'est normal que vous n'ayez pas de vidéo. Donc voilà. Du coup vous avez une vidéo quand même. Hein. Mais voilà, donc c'était pour vous dire qu'à la base je devais faire du FIFA 14. Donc je vous ai demandé sur FIFA 14, du coup on va le faire dès le début. Quelle équipe vous voulez que je prenne et contre qui vous voulez que je joue? Ça, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Si vous dites rien, bah, tant pis, hein, mais. Parce que vous n'êtes pas beaucoup à écrire dans les commentaires, mais voilà. Qui voulait que je prenne? Parce que moi, j'ai envie de vous faire plaisir et ça me ferait plaisir à moi-même que vous bah, me demandez, que vous répondez à mes questions. Parce que voilà, j'aime faire plaisir à mes abonnés, etc. Donc, je me dis, tiens. Je vais laisser le choix à ma communauté. Et donc je vous demande qui vous voulez que je prenne en adversaire et en équipe que je vais jouer. Ça fait 14. Je vous laisse écrire ça dans les commentaires. Et j'ai vu aussi FIFA 15. C'était le dernier jeu qu'ils ont mis sur PS Vita. Je vais arrêter de le montrer. Et j'aime bien la montrer dans PS Vita. Toutes les vidéos, je la montre limite. J'ai vu que le dernier FIFA qui est sorti c'est FIFA 15 sur PS Vita, donc apparemment le 16, 17, 18, c'est
La PS4 peut plus suivre, apparemment. Bon, voilà. Vous me direz, la PS3, c'est pareil. Et voilà. Donc, est-ce que vous voulez que j'achète le dernier FIFA? Ça sert à rien d'acheter FIFA 13, 12. Hein. Ça, c'est. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que vous voulez que j'achète le dernier, ce qui est FIFA 15? Parce que je l'ai vu à Micromania une fois. Je pense que je le retrouverai. Je sais pas combien je l'ai vu, mais si ça m'a marqué de voir FIFA 15 quand même, parce que c'est juste un FIFA, tu vois. Si ça m'a marqué, c'est à mon avis que c'est parce que le prix était monstrueusement bas. Donc voilà. Ça, par contre, FIFA 15, je vous dis, il n'y a pas de multi, je vois. Donc est-ce que vous voulez que je l'achète? Bah, dites-moi ça pareil dans les commentaires. Moi personnellement, j'ai pas forcément envie, mais bon, voilà. Mais ma priorité c'est Killzone Mercenary parce que moi-même, tu vois, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de m'acheter Killzone. Et puis, donc voilà. Donc, j'espère que cette vidéo a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et en général, profitez de tout. Vous avez du vent, je sais pas si vous entendez, mais Max, il y a grave du vent. C'est un truc de ouf. Allez. A plus, en l'état, profitez de tout.